Les filles, depuis tout à l'heure, je suis avec ma sœur. En fait, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, on s'est raconté trop de choses. Ouh là là, Imen, j'avais trop de choses à te raconter. Et moi Ouh donc. là là, j'ai débité là. Tellement je vais prendre des Doliprane. Attendez, j'essaye de la cacher. Vous savez que ma sœur, elle se montre pas sur les réseaux. Et voilà, on discute, on est posé dans mon lit. On n'est pas réel et moi. On aime faire les mêmes choses. On aime se poser dans des lits et Et discuter. parler, Ouais. mais après, voilà, pas trop. Donc Non, là, parce oui, que là, ça fait parce que ça fait longtemps. longtemps et après, ça y est. Et après, on va chacune chez sa mère, on va sur nos téléphones. On n'a pas là beaucoup. Ici, chez moi, elle est terminée la journée, il est 20h30, j'ai pas fait de bad buzz. Donc oui, alhamdoulilah, une journée en plus en bad buzz. Les filles, à Dubaï, il est 20h30, Rita n'est toujours pas rentrée. Elle a avec son mec. Oh, écoutez, hier, elle s'est faite toute belle, machallah. Elle m'a dit, est-ce que je peux partir à 18h? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Elle est partie à 18h, pimpée. Tout ce qu'on vient me chercher. J'ai tout de suite compris. D'habitude, Rita, elle rentre pas, elle rentre plus tôt. Là, il est 20h30, elle est toujours pas rentrée. Where is Rita? Qui c'est le mec à Rita? Je vais lui demander, les filles. Parce que Rita, elle est toute jeune. Hein. Elle a genre 30 ans. Je l'aime trop. Les filles, je suis trop inquiète. Il est 21h36. Elle a jamais fait ça, Rita. Elle en fugue. Non, mais vraiment? Elle est où? Je m'inquiète. Elle a qu'une seule barre sur WhatsApp. J'appelle la police? Non, non, je Essaye suis très d'appeler moi. inquiète. Elle a qu'une seule barre sur WhatsApp. Les filles, je l'ai appelée sur son téléphone. Son téléphone, il est éteint. Il est 22h. Je suis trop inquiète. J'ai envie de dormir. Je me suis levée tôt. Moi, je me couche tôt. Je peux pas dormir tant qu'elle est pas là. Je vais appeler la police. Ah, imagine, il lui arrive un truc. Aïe, j'ai trop peur. Les filles, Rita, you have boyfriend? Ouais, Rita, boyfriend! Rita, you have boyfriend? Ok, not tomorrow. After tomorrow, off. You go to boyfriend. Voilà, allez, je lui offre un jour off, pas demain, après-demain. Voilà. Comme ça, elle va voir son mec. Ouais, Rita, le mec! Elle m'a dit good boyfriend. Rita, listen, Rita. Me, tomorrow, you put new habib for you. For beautiful. Non, closet, closet. Tomorrow, I put closet for you. OK? And perfume. OK? And after tomorrow, off. And you, dinner avec ton boyfriend. Oh my God, thank you. Welcome, my love. Les filles, on va faire ça. On va relooker Rita pour son mec. Mardi, on la relook. Demain, bon, elle travaille, il y a le ménage à faire et tout. Et mardi, on la fait belle et tout. Et elle va voir son mec. Allez, les filles. Et moi, Rita, elle a 30 ans, les filles. Elle doit faire sa vie. Ça veut dire, je ne peux pas la laisser comme ça, travailler tous les jours. C'est pour ça qu'elle est rentrée tard, 22h30. Elle ne m'a jamais fait ça. Là, elle a un mec, il faut qu'elle profite, il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle ait des enfants, il faut qu'elle construise sa vie. Et je vais l'aider. Et s'il faut lui donner plus de jours off, payer, hein, je la paye quand même. Hein. Je lui donne qu'elle fasse sa vie. Que le bon Dieu, il la guide, il lui donne la baraka. Moi, je l'aime beaucoup, Rita. Et si on va le faire ensemble, je vais lui faire une surprise à Rita. Je vais la relooker jeudi, puisque j'ai des rendez-vous jusqu'à mercredi. Jeudi, on la relook. Et je vais lui faire une surprise. Je vais lui dire qu'elle invite son amoureux au resto, dans mon resto préféré, chez Robuchon. Et c'est moi, je vais l'accompagner, je vais la relooker et je vais payer l'addition. Parce que Rita, les filles, elle est jeune. Vous savez quel âge elle a? Elle a 28 ans, elle a que un an de plus que moi. Ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse sa vie. Il faut. Voilà, les jeunes. C'est pas comme Romana, ça y est, elle était maman, elle avait ses enfants. Voilà, elle, les jeunes. Donc j'ai envie de l'aider. Et de toute façon, Rita, vous savez, je lui donne plein, 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 plein de vêtements. Voilà, tout ce que je mets pas, je lui donne. Bref, les filles, vous savez pas à quel point je suis contente d'avoir Internet dans ma chambre. Hein? 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 Bonjour! Bonjour! Bonjour maman! Oh, t'es Rita!
Bonjour maman. Bonjour petit lionce. Bonjour rouge cave. Petit lionce. Ouh là là. Voilà, on va mettre ma musique. Pourquoi ça marche pas? Elle est là. Voilà. Elle est là ma musique. Les pubs. YouTube, je vais pas vous payer, je paye trop d'abonnements moi. Prime Video, Netflix, Disney Plus, wesh. Voilà ma musique. Ma télé marche. Voilà. Achat. Dalai chouchou. Et nous sommes des jambanis. Et non, mais non, je suis ballon. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Allez. Et non, mais non, Rosita. Et non, mais non, voilà, y'a. Chaga, vous voulez. Allez, danse, mon fils. Danse. Dalai chouchou. Chaga, boli. Je démarre la semaine sur les chapeaux de roue, j'ai plein de rendez-vous. Voilà, je vous souhaite de passer à toutes et à tous une bonne semaine. Alors, programme du jour, j'ai rendez-vous au mall pour aller changer mon numéro chez Doux, pour acheter quelques trucs. Je vais acheter un meuble pour mettre mes parfums dans ma chambre aussi. Après, rendez-vous chez un avocat, un des meilleurs avocats de Dubaï, pour gérer mes problèmes. Parce que oui, dans ma vie, c'est un jour un problème. Il m'arrive des trucs tous les 4 matins. Je suis éprouvée, mais je dis toujours Alhamdoulilah. Et voilà, là, on est. La journée vient de commencer. On rentre dans le 5e jour sans bad buzz. Donc, comment vous dire que je suis très, très fière de moi? On s'applaudit. Franchement, bravo. Si aujourd'hui, je ne fais pas de bad buzz, ce soir, je m'applaudirai. Et pour Rita, voilà, on va organiser son date avec son amoureux, on va la préparer ensemble, on va lui réserver Robuchon, on va lui payer Robuchon, on va la mettre bien, faut que Rita elle fasse sa vie, elle a 28 ans, voilà, moi j'ai envie de l'aider. Alors les filles, je vais me préparer là, je vais me maquiller, j'ai mis un ensemble de survêt, par contre il y a un pépin, ça et ça, c'est plus la même couleur, ça a dû changer à la machine à laver. Bref, je vais mettre mon, comme chaque matin, je ne peux plus m'en passer, mon sérum à base d'acide, mon sérum magique, effet liftant immédiat à base d'acide hyaluronique qui va lifter le visage instantanément, je ne peux plus m'en passer, qui va resserrer les pores instantanément. Ça, c'est la nouvelle formule avec deux fois plus d'acide hyaluronique. Les filles, c'est une pépite, je ne peux pas m'en passer. Vous allez voir, ça va me réveiller, même si je ne dors pas beaucoup, même si vous avez des cernes ici, ou les rides ici et que vous voulez lifter votre peau, ça va, c'est une dinguerie, ça va lifter instantanément. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches, vous allez voir, mon visage va être comme ça, tout réveillé, je ne peux plus m'en passer. Là, j'ai fait toute ma skincare coréenne, il me manque l'étape du sérum et de la crème. C'est de la bombe, les filles, c'est de la bombe. Alors les filles, je vous montre sans filtre. Bon, là, j'ai le visage
fatiguée, hein, je viens de me lever. Donc là, j'ai fait toute ma skincare. Et là, je suis à l'étape du sérum. Donc j'ai appliqué mon sérum. Je vous montre. Vous en mettez. Je vais vous montrer que d'un côté, comme ça, vous voyez. Sous les yeux, sur l'arrêt du nez et sur les pommettes. Ensuite, vous faites des mouvements, les filles, circulaires. Le produit, il va chauffer, c'est normal. Ne pensez pas qu'il est périmé, c'est normal. Bon, moi, comme je le mets tous les jours, je suis habituée. Et là, instantanément, les filles, il va lifter mon visage, resserrer les pores, enlever les cernes, vous voyez, sous les yeux, ok ? Resserrer les pores, enlever la ride ici. En fait, je vais avoir le visage lifté. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Maëva, t'es jeune. Tu n'en as pas besoin. Si, j'en ai besoin, je ne peux pas vivre sans. Et ça marche encore plus si forcément vous avez le visage avec plus de rides que moi. Donc par exemple, ma mère elle l'utilise, ma grand-mère elle l'utilise, les soeurs de ma grand-mère l'utilisent, ma tante l'utilise. Je vais vous mettre le avant après sur ma tante. Vous allez voir, vous allez péter votre tête tellement qu'il marche. Et là vous attendez. Voilà, ça chauffe. Hop là. Vous faites bien pénétrer, vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches les filles, ok? Et là, regardez. Regardez. Regardez mon visage, regardez ici. La ride, elle a complètement disparu. Le dessous de mes yeux, plus de cernes. Et surtout le visage, regardez, lifté. Lifté. On dirait que je viens de faire un lifting. C'est le sérum magique. Les filles, je ne peux plus m'en passer. C'est une dinguerie. Regardez mon visage, j'ai pas de filtre. Regardez les filles, ridicule. C'est ma tante. Et là, les filles, regardez. En fait, je vais vous montrer. Ça a tout lifté. Vous voyez, là, c'est lifté. Complètement disparu. Vous voyez ? Regardez. Et là, vous voyez, la déride. Il n'y a plus. Je vais vous mettre la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo. Bon, ma tante, elle est trop belle, machallah. Mais attendez. Regardez, les filles, ça, c'est le côté que j'ai pas fait. Vous voyez, là, on voit. Je vais la mettre. Et là, il n'y a plus. Ça a disparu. Ça a tout lifté. Et les filles. Par là, c'est le sérum Girl Power. C'est une dinguerie. Vous voyez ? Regardez les filles, ça c'est le côté que j'ai pas fait. Vous voyez, là on voit les petites ridules. Et là les filles, regardez. Ça a tout lifté et les petites ridules, elles ont complètement disparu. Vous voyez, regardez. Il y a plus. Il est incroyable. Les filles, regardez sur mon visage. Regardez de ce côté comment je suis toute liftée. Regardez. C'est une dinguerie pour mettre aussi sur la ride ici. C'est une dinguerie les filles. Ce sérum, je ne peux plus m'en passer. C'est ma drogue, c'est mon indispensable, c'est tout ce que vous voulez. Mais je m'en passe plus, là je fais l'autre côté. Et c'est normal les filles, encore une fois je me répète. C'est normal que ça brûle, genre jusqu'à qu'il fasse effet. C'est normal, après vous allez vous y habituer. Non mais regardez ma pommette, comment elle est relevée. Regardez, je fais ça, on dirait que j'ai fait un lifting. Ah c'est une dinguerie, je ne peux plus m'en passer, c'est impossible. Ça les filles, c'est un indispensable à avoir, il est magique, il est incroyable, il resserre les pores, il hydrate avec deux fois plus d'acide hyaluronique parce que c'est la nouvelle formule, il enlève les cernes, les rides, il lift le visage. Ah c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais vie, la vérité, il vous le faut ce sérum. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de le prendre. Ou si vous l'avez déjà, là c'est la nouvelle formule avec deux fois plus d'acide hyaluronique. Franchement, foncez les filles. En plus, j'ai un gros code. Écoutez-moi bien, 30% de réduction sur tout le site. Il y a aussi le pack pour les lèvres avec lequel je redonne le naturel de mes lèvres. Et il y a des soldes là en ce moment sur le site. Mon code promo, il y a des soldes jusqu'à moins 50%. Mon code promo, il est cumulable avec. Donc, ils ont fait plein de packs et tout ça. C'est super intéressant. Donc, je vous partage le code promo de moins 30%. Et il est cumulable, il y a des soldes sur leur site. Foncez, il vous le faut, c'est un indispensable. Jeune, plus âgé. C'est toute ma vie. Bon, allez, on se prépare. Alors là, crème contour des yeux, celle-là, c'est une marque coréenne, les filles, à base de vitamine C. Hop là, elle est trop, trop bien. Les filles, quand vous mettez la crème en dessous des yeux, c'est toujours avec le troisième doigt. Excusez-moi de faire des doigts d'honneur, mais c'est toujours avec ce doigt. Parce que c'est les bons... je sais pas comment vous expliquer. C'est le bon... Comment on dit? Oh là là, j'arrive plus à parler. C'est la bonne pression. Vous voyez qu'avec ce doigt, il a, celui-là, là, il a trop de pression. Donc voilà, bien la crème contour des yeux, les filles. Et en fait, plus... Et là, les filles, en ce moment, la crème de jour que j'utilise, c'est la Beloved. Vous vous souvenez, je l'ai reçue et je l'ai testée.
et je l'aime trop. Et du coup, voilà, c'est ma nouvelle crème de jour. Elle est incroyable, les filles. C'est une crème au lait de chèvre. Elle hydrate trop, trop bien. Franchement, les filles, c'est un 10 sur 10. Alors, les filles, quand vous utilisez des crèmes, vous savez que je suis une fan de skincare et tout ça. Il faut changer. Faut pas utiliser tout le temps les mêmes. Genre pendant 6 mois, la même crème de jour, la même crème de nuit. Pourquoi? Parce qu'après, votre visage, il s'habitue et ça fait plus d'effet. Donc, moi, à peu près tous les mois, je change. Par exemple, j'alterne entre celle-là et ma crème à la bave d'escargot de la marque coréenne Corsé X. Vous voyez, chaque mois. Oh là là, elle est trop bien. Ça se voit là, mon make-up. Mon visage, il est bien hydraté. Il va trop bien tenir. Alors que je mets même pas de fond.
Vous savez ce que je demande dans mes doha? Que Dieu me facilite pour le port du voile. J'aimerais trop le porter. J'aimerais trop me sentir prête à avoir, vous savez, ce déclic que Dieu m'envoie pour le porter et plus jamais l'enlever. Et vous savez, quand il y a eu le bad buzz là sur Tamara, ça m'a trop touchée. Et du coup, je l'ai ajoutée sur Snap. Quand je l'ai ajoutée, j'ai vu que elle me suivait. Du coup, on était directement amis. J'ai parlé avec elle. Et elle était trop belle. Elle est toujours trop, trop belle, ma chérie. Là où ma belle ex, c'est une bombe. Mais ça lui allait trop bien. Après, voilà, les filles, elles sont jeunes. Il y a des west-west. Faut pas la juger. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prier pour elle. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai fait des doigts pour que Dieu lui facilite. C'est dur, hein, dans notre génération. Regardez les filles, sans filtre. Mon make-up, j'ai pas de fond de teint. Mais regardez le sérum Liftant Girl Power qui resserre les pores. Regardez la peau qu'il me fait. Les filles, petite outfit. Donc, petit ensemble de survettes. J'ai mis des tongs, j'en ai marre des claquettes Hermès, les filles. J'ai mis des Havaianas, regardez, trop belles, que ma soeur m'a offert. Voilà, trop trop belle le modèle comme ça, j'aime trop. Vous voyez, devant, c'est pas rond, c'est carré. Et un petit sac Hermès et des petites boucles d'oreilles grises. Bon, allez, mes vies, go. Je vais au mall. Ma soeur, elle me rejoint, donc je dois aller changer de goût. On va aller manger à notre resto préféré. Oui. Oh, les portes de derrière, elles sont ouvertes. Why? Les filles, les portes de derrière, elles étaient ouvertes alors que Deguin est rentré. Moi, je suis une parano. Là, je suis en train de me dire dans ma tête qu'on m'a mis un tracker dans ma voiture. Je vais aller la faire vérifier. Hein? Vous croyez que je suce mon pouce, moi? Je suis pas née de la dernière pluie, moi. Pourquoi elles étaient ouvertes? Hier, je suis rentrée dans la voiture, je suis pas allée derrière. Wallah, elles étaient ouvertes. Bref, les filles, pour mes extensions de cheveux. Donc déjà, les filles, je voulais commencer par vous dire, je vous excuse pas à en faire parce que vous savez que c'est halam. Voilà, c'est péché, celles qui en mettent, j'en suis consciente, et celles qui les posent. Déjà, petit rappel. Mais si vous en mettez déjà, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me rajoutez pas des péchés, j'en ai assez, moi. Si vous en mettez pas, n'en mettez pas parce que j'en mets. Sinon, si vous en mettez, la meilleure, c'est mon amie Rachida de Dreamil. La technique que je fais, les filles, c'est la technique des anneaux à froid. Et regardez les cheveux, comment ils sont beaux. Déjà, magnifique sa qualité de cheveux. C'est pas cher. Elles sont épaisses jusqu'aux pointes. Parce que non merci, les queues de rat. C'est rapide à faire, c'est une heure. Et la vérité, c'est les meilleures et c'est pas cher. C'est vraiment la meilleure technique. Et Rachida les fait trop bien. C'est vraiment la meilleure dream. Voilà, pour celles qui les font déjà. Les bandes, les filles, ça massacre les cheveux. Je déconseille. Je vous le dis, j'ai déjà essayé. Ça massacre les cheveux. Ça fait un casque ici. Ok. Pour avoir du volume. Ça fait des queues de rat en bas. C'est tout fin. Et celles qui vous proposent ça, c'est parce que c'est rapide à mettre. En 20 minutes, elle te fait toute ta tête. Donc elle gagne encore plus d'argent. Et alors les kératines, avant je mettais les Great Lane, les kératines, ça massacre les cheveux aussi. Voilà, alors que c'est 100 euros les extensions que les cheveux. Donc voilà, vraiment les meilleures, c'est la technique que je fais, donc celle de Dreamil. Et c'est la meilleure qualité de cheveux. Regardez, épais jusqu'en bas. Voilà, hier la coiffeuse elle est venue, là jusqu'à que je me relave les cheveux, je ne me coiffe plus. Voilà. Mais les filles, vous savez ce qui me casse les bonbons là? C'est des gens qui se remettent jamais en question. Jamais, jamais, jamais. Toi, tu te remets en question, tu connais. Il y a des gens, ils ne reconnaissent pas. Ah, bon, ça y est, voilà. Ça y est, ça me fatigue. Vous savez quoi, je ne vais pas passer une mauvaise journée pour des gens. Voilà. Allez, faut un peu réfléchir, faut mûrir. Comme tu peux se remettre.
je viens enfin d'arriver au mall. Là, je regarde où c'est d'où. Les filles, j'en ai marre de moi. Voilà, j'en ai marre de moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'habite à moins de 20 minutes du mall. Mais comme je suis à la masse sur les GPS, entrée, cherche d'où. Comme je suis à la masse sur les GPS et qu'à Dubaï, les routes, c'est très très compliqué. Depuis que j'habite, ça fait plus de 4 ans que j'habite ici, je n'ai jamais retenu une route. Je me trompe tout le temps sur le GPS. C'est bon, je sais où je vais. Je me trompe tout le temps sur le GPS, alors je me trompe toujours de route. Et alors, ça, quand tu te trompes de route à Dubaï, ça te rajoute 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes. À la fin, 40 minutes tu mets pour arriver à l'endroit. Et moi, j'en ai marre d'être à la masse, de ne pas savoir lire sur les GPS. J'en ai marre. Voilà. Bref, là les filles, je vous explique, je vais à Dou pour changer le numéro. Parce que mon numéro qui est enregistré à Dou, c'est le numéro de mon ancienne assistante. En même temps, je vais les remercier parce que ça y est, j'ai internet dans ma chambre. Ensuite, je vais aller chez Sephora, les filles, pour acheter le nouveau fond de teint et l'anti-cerne et la base Huda Beauty. J'ai trop envie de tester, comme ça je vous fais un retour. D'ailleurs, il faudrait que je m'inscrive dans la liste de... C'est la Sephora. Il faudrait que je m'inscrive dans la liste pour que Huda Beauty, elle m'envoie ses produits. Voilà, comme ça je vous fais des crash tests. Et là, j'attends ma soeur, elle arrive. Et après, on va aller manger dans notre resto préféré à Cipriani. Voilà. Tellement que je me suis trompée de route. D'habitude, je me mets toujours dans le même parking. Là, c'est un autre parking. Il faut que je retienne que j'étais garée là-bas. Parce que je ne me suis jamais garée là-bas. Tellement que je me trompe de route. Bref, ça y est, je suis arrivée à chez Dou. Salam alaikum. Hein? Je crois qu'il m'a reconnu de la dernière fois. Alors, good internet de la dernière fois. Good working internet. Men come in my house. Now I have... thank you. Now I have another problem. In Dou, number Dou, it's not my number. It's number of my assistant. Now change, you put Dou my number. You understand? Ah, thank you. Vous voyez, je sais me faire comprendre. Je suis bilingue. Je vais vous moquer de moi jusqu'à demain matin. En attendant, je vais devoir faire mes papiers toute seule, à me faire comprendre toute seule, à parler anglais toute seule. Il m'a compris, je vais demander, il m'a understand, tu as compris qu'il m'a dit. Les filles, je vous explique. Là, il faut que j'aille chercher un fauteuil roulant. Alors là, je suis là. Tac, 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 tac. Wheelchair. Parce qu'en fait, je vous explique, ma soeur, elle s'est cassée le pied. Attendez, j'ai pas très bien compris. Wait, please, wait. Là, je vais tout droit, et après, je tourne. Ok, thank you. Donc, du coup, je dois lui récupérer un fauteuil roulant. Vous avez vu comment c'est bien, Dubaï? Ils te mettent des fauteuils roulants dans les malls. Comme ça, je vais la pousser, parce qu'elle n'a pas marché, là, les béquilles. Ouais. Le cher à l'Aïchefika. Allez, chef Fik, faites des doigts à ma soeur, s'il vous plaît. C'est ma demi-soeur. En vrai, c'est sa soeur, c'est ma vraie demi-soeur, c'est la fille de mon père. Mais elle et moi, on a le même âge, donc on a pu se grandir ensemble. Mais je n'ai pas compris, là, ils m'ont dit d'aller tout droit. Oulala. Hello. Hi, how are you? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. I want wheelchair because my sister broken your foot and his voiture. In car and me, you put me wheelchair and me, you put my sister. You want someone to wheelchair? We have a wheelchair in the entrance. What is? In the entrance. Huh? Outside here. Outside, I have. There is a cabinet. Cabinet? Thank you. Il a dit ça à l'entrée. Les wheelchair. Des fauteuils roulants, on dit wheelchair. J'ai appris ce mot aujourd'hui. J'ai trouvé. Salam alaikum. I want wheelchair for my sister because broken. Ah, où? Là? Here? Thank you. C'est où les wheelchairs? Oh, il n'y en a pas. Ah, il y en a ici. Oh, j'ai trouvé les wheelchairs.
C'est, en fait, c'est devant les moelles, regardez. Ici, il y a le wheelchair. Tu le prends, il te demande même pas ta pièce d'identité. Comment on fait pour l'ouvrir? Hop là. Ah, thank you. C'est bon, j'ai récupéré le wheelchair pour ma soeur. Les filles, j'ai récupéré le fauteuil là pour ma soeur. Et maintenant, j'attends ma soeur. Et franchement, force et courage aux personnes qui ont des fauteuils dans. Enfin, force à vous. Là, je vais attendre qu'il s'assise dessus. Je suis en train d'en faire. Et oulala, c'est très très compliqué. Oulala. Vous voyez pourquoi il faut dire toujours hamdoulay pour tout. Même quand on a des galères, qu'on a un manque d'argent, hamdoulay, il y en a, ils peuvent pas marcher. Il faut dire hamdoulay pour ça. Il y en a, ils peuvent pas voir. Il faut dire hamdoulay pour ça. Il y en a, ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas voir. Il faut dire hamdoulay. Vous voyez, c'est très très dur. J'ai déjà eu le fauteuil roulant, moi. Tout le monde nous regarde. Bonjour. J'ai déjà eu le fauteuil roulant quand j'avais 14 ans. Mais on me poussait, oulala, c'est dur. Hein. Avec une main, c'est pas possible. Quand je truc, regardez, ça tourne tout seul. It's not for me, hein. It's for my sister. Hein. Tout le monde me regarde. Oulala. Les filles, j'ai récupéré mon colis piégé. Imen, c'est mon colis piégé. Alors, tu vas aller où là, Imen? Là, on va à Sephora d'abord après manger. J'ai trop faim, ouais. Je vais manger. Alors, on va chez Sephora. Et après, on va aller manger dans notre resto préféré, Cipriani. Mmh. On a trop envie, les filles. Regarde déjà, pousse ma soeur. Tout pour toi, ma soeur. Tout pour toi. Tout, colis piégé. Alors, les filles, c'est chez Wanson. Si vous cherchez la skincare coréenne à Dubaï, ma soeur, elle a voulu y aller. Moi, je suis pleine. Hein, et je fais pas de trop d'achats là. Ça y est, déjà faut que j'utilise toutes mes crèmes. Donc voilà, là il y a la marque, par exemple. Comment ça va être la marque? Bootshop Johnson. J'ai tout, les enfin, j'ai tout, c'est ma soeur qui a voulu. Loyou. Banana for Loyou. Imen, chez où? Parce qu'elle a pris ses boutiques. Tu veux que je t'explique? Non, je cherche des centres. Prends la bave d'escargot. Sinon, il y a celle-là, c'est d'hyaluronique. Ouais, oh, elle est très bien celle-là. Non, je veux l'eau. Ah, le toner, ça s'appelle. Ah, ben dis-moi, moi je te connais. Toner. Toner, je vais te dire là. Mais j'en ai chez moi, si tu veux, je t'en donne. Hein. Non, non, c'est bon, je prends. J'en ai en double. Toner. Attends, je vais te dire lequel est bien. Il y a plusieurs marques. Voilà ce que j'ai conseillé à prendre à ma soeur. Donc, l'essence à la bave d'escargot. Par contre, cette marque de toner. Non, 10, non. Cette marque de toner. Celui-ci, il est trop bien. Je l'ai, donc c'est Corsé X. Ensuite, elle a pris le même lavant que moi. La crème à la bave d'escargot, la même que moi. Et le rétinol. Ça, tu mets que le soir et tu t'exposes pour les soleils quand tu as un cure de rétinol. Je suis une pro de la skincare. Par contre, c'est mal fait. Voilà, pour les personnes en fauteuil roulant. Regardez, on ne peut pas passer. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Vous voulez qu'elle passe comment? Regardez, je peux pas lui faire demi-tour. Non, c'est pas bien pour les personnes avec le fauteuil roulant, humain. Regardez comment c'est de la boue. À Dubaï, vous ne pouvez pas rater vos prières. Je la pousse. Il y a une salle de prière. Oulala, c'est un gros colis piégé aujourd'hui. Ma soeur, mais tout pour toi. Tout pour toi, ma soeur. Tout. Je t'aime, je meurs pour toi. C'est cassé la jambe, parce qu'elle a la échéphique. Non, je suis fracturé le genou. Bon, elle est tombée, cette. Hein? J'ai glissé. Elle va se réparer, on va lui faire des doigts. Voilà, elle est folle. I'm from Algeria. Oh, Algeria, yes, save Algeria. Me. Ça va la famille? Hamdoulay, you. Alhamdoulilah. Oh, je croise une Algérie, ça me fait trop plaisir. Merci, c'est gentil. You want picture? Oui. Yeah. Franchement, force à toutes les personnes qui sont en fauteuil roulant. Force à vous, vraiment. Je vous soutiens de tout mon cœur. Que Dieu vous soigne. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Là, on vient de faire ce constat-là avec ma demi-sœur. Même, il faut prendre des ascenseurs, c'est dur à pousser. Après, bon, il y en a qui sont électriques. Mais c'est vraiment pas évident. Là, c'est vraiment du sport que je fais, mais je fais de mon cœur. Je meurs pour ma soeur. Ouh. Regardez comment c'est trop bien à Dubaï. Ils donnent des vêtements de prière. Regardez, moi, j'ai pris de moi. Et après, vous mettez au sale ici. C'est trop pratique. Oh, je vais mourir, wesh. Les filles, ma soeur, elle m'a demandé une boîte de Glimmy, le collagène que je prends.
Du coup, je vais en profiter pour vous donner un code promo. Les filles, c'est de la bombe atomique. Cette marque, elle fait un carton. C'est très important de prendre du collagène marin. Alors, à l'intérieur, vous avez du collagène marin qui est très bon pour la peau. Ça, ça a un effet anti-vieillissement. Ça enlève les boutons. Ça fait une peau de bébé, le collagène marin. On en a déjà dans le corps, mais là, ça en donne encore plus. Ensuite, vous avez de la vitamine C, voilà, des vitamines, du zinc, les filles. Et de la biotine. Donc ça fait aussi pousser les ongles et les cheveux. Donc c'est des compléments alimentaires. Les filles, vous en prenez deux fois par jour et vous allez voir les résultats sur votre peau. Ma soeur, elle m'en a demandé, je lui ai ramené. Et vous pouvez même utiliser sur les femmes enceintes, les filles. C'est franchement, ma peau, elle a changé ça, plus la skincare coréenne. Vous allez me remercier. C'est une marque qui fait carton, qui donne jamais de code promo. Et là, j'ai un code promo pour vous, pour ma communauté. Il n'y a jamais eu de code promo. D'accord. Alors là, les filles, on est dans notre resto préféré avec Imen. Trop bon. Cipriani, c'est italien. En France, on en rêvait. T'as vu comment on en a parlé de Cipriani? La fois, je suis partie manger avec Sarah, hein. J'étais pas là. Non, je pouvais pas parce que je suis en béquille. C'est un colis piégé, mais c'est pas grave. Je te porte. Ça en vaut la peine. Je te porte. J'en vaut la peine. Même le pain, il est excellent. Même leur ice cream maison, il est bon. Ouais. Tout est bon, tout est bon. Leur pain, il est... Je prends toujours la même chose, moi. Le carpaccio et le riz au veau sur citron. Le riz au veau, il est très bon. Oh là là, toute ma vie, le meilleur carpaccio au monde. Pizza, burrata, petite salade offerte. Les filles, là, j'ai assaisonné. Seul, j'ai mis que du jus d'olive. Ce carpaccio, c'est un film de... Oh là là. Moi, je l'assaisonne pas avec de l'huile d'olive et du sel. Il y a une mayo dedans, c'est incroyable. Je sais même pas. On a trop commandé. La pizza, un peu froide là, comme ça. La burrata. Tout est bon ici. Oh là là. Oh. Et alors, le veau. Oh là là. Avec le riz, la sauce citron. Oh. Et même, là on est plein. De ouf. Là c'est le meilleur moment de la journée. Alhamdoulilah. Oh mais les gens c'est des grands malades. Vous savez qu'elle vient de me dire quoi là ma soeur? Tu m'as dit quoi, Imen? Il y a la fille, la copine de ma mère, elle est en cours, ils sont en train de parler de toi. Elle est en cours de marketing digital, ils sont en train de parler de moi, de dire un coup. Elle a dit un coup elle est musulmane, un coup elle est sexy, un coup elle ouais, est. Mais c'est, vous êtes. Un jour mais elle vous est vous prenez de pour trama, qui? Un coup elle est juive, un jour elle est algérienne. Mais vous vous prenez pour qui? Déjà, pour faire des cours sur moi de marketing digital et après, de parler mal de moi dans vos cours. C'est quelle école là, s'il te plaît, parce que je vais appeler mon avocat. C'est quelle école? Je sais pas. Parce que vous parlez de moi parce que je suis influenceuse, que vous faites des cours de marketing digital, il n'y a pas de problème. Mais que vous parlez de moi en cours et que les profs ils me rabaissent, moi je vous envoie mes avocats. Je rigole même pas avec vous, c'est quelle école? Je sais pas. Dis-moi, donne-moi, je lui fais une vocale. Montre pas le snap. Non. Coucou ma chérie, c'est Maëva. Je comprends pas là. Tu peux me dire c'est quelle école? Parce que qui parle de moi en marketing digital, je m'en fous qu'ils fassent des cours sur moi parce que je suis influenceuse. Ok, mais qui me critique, que les profs me critiquent en cours, ça je suis pas d'accord. Je vais leur envoyer mon avocat. Et l'autre non. Non mais écoutez la prof comment elle parle de moi. Musulmane pas très sexy. Mais elle se prend pour qui cette prof? Mais elle se prend pour qui? Qu'elle parle de moi parce que je suis influenceuse, y a pas de problème. Mais de parler de ma religion, elle se prend pour qui? Hein? Tu vas regarder ma story, la prof qui a parlé de moi là, qui fait ses cours de marketing digital sur moi. Je t'envoie mes avocats, je vais savoir c'est quelle école. Là tout de suite, tu vas voir. Vous croyez que je vais me laisser faire moi? Non mais c'est quoi ce beans? Déjà je suis là, je galère avec les fauteuils roulants. Et des profs ils me critiquent en cours de digital marketing. Mais je te pisse à l'arrêt, moi je t'explique. Hein? Tu aurais aimé avoir ma vie. Mais pour qui tu te prends toi d'aller? Une prof elle va, elle me critique sur ma religion. Sur ma religion, sur mes choix religieux. En cours, ils apprennent ça à leurs élèves. En cours de marketing digital. Non, est-ce que c'est normal? Ouais, marketing digital, je crois ça. Et tu m'as dit que c'était ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est normal?
Elle, tu vas voir. Ça y est, je suis devenue très très procédurière. À part Vérissure, je les aime trop. Mais sinon, j'envoie mes avocats toutes patates. I want new foundation for me. Okay. No, only me. A new foundation. No, I have. Thank you. My color. Exactly your skin. Exactly. Color. Yes. Yeah. Please. Okay. We can go for coffee. Did you like to try your face or in your? Okay. Mais moi, ici. And new base. New base. The primer. Is that one? Yes. Yeah. New primer. Okay. And anti-serum. And concealer. Concealer. Yeah. So okay. Let's try first. Primer. Je vais tout prendre et je vais faire un crash test. Les filles, c'est bon, j'ai tout pris. Je vous ferai un crash test là cette semaine. Et pour info, à Dubaï, tout d'Abucci est en stock. Hein. Parce que même les teintes qui sont out of stock en France, et bah Dubaï, ils sont. Sinon, elle est ici d'art qu'on aime beaucoup. Ouais.